Mes enfants chéris, papa est rentré. Salut, pa. Salut. Tu vois, on dirait que je vous ai vraiment manqué pendant mon séminaire. Hein? Papa, toi aussi. C'est seulement hier que tu es parti. Et même si c'est seulement hier, c'est une raison que je rentre chez moi et mes enfants m'accueillent comme ça. Mais papa, si ton séminaire avait duré, c'est là que tu pouvais nous manquer. Ah bon? Et genre à peu près combien de temps? Bon, on peut dire 2 ans. Et demi. Ok. Pour votre argent de poche, là, si on va en reparler dans 2 ans. Hein? C'est bon, non? Dans 2 ans. Oh, papa, tu m'as trop manqué. Quitte-la. Je vous ai trop manqué de quoi? Bande d'escrocs que vous souffrez. Hé, hey, ma gloire. Regarde, je voulais te montrer quelque chose. J'ai retrouvé ça dans la vieille cantine. C'est quoi? C'est toutes les petites phrases des enfants. J'avais même oublié que je notais ça. Oh. Regarde, je te rappelle. Ah non, Edith. On sent que tu as trop duré chez les Blancs, là. Montre-moi. Bien que celle-là. Maman, il est où le téléphone? Qui disait ça? C'est qui? Oh, toi aussi. C'est quel genre de père? Mais c'est Junior, non? Ah oui, oh là là, c'est vrai. J'avais déjà complètement oublié ça. Ah, et alors celle-là, j'adore. N'oublie pas ton parapluie. Oh, elle était trop mignonne, elle aimait le répéter. Ah. Mon parapluie, mon parapluie. Ça, c'est Gladys. Et tu as trouvé ça tout seul. Alors, celui qui était très fort déjà, c'est Hippo. Ah, oui. Ah non, Hippolyte. Ah oui. Il me disait souvent, « Maman, viens, on va réveiller le jour. » Oh là là, mon bébé. Celui-là, c'est un génie des génies. N'est-ce pas? Il était déjà poète avant l'heure. Oh là là. Hippolyte. Les vilaines comme ça, tu fais même le malin avec qui? Je veux bien casser ton faux téléphone là. Regarde-moi un rigolo, ma boule, comme toi. Tu parles même avec qui? Avec ta grosse tête et ta taille de girafe là. Quitte là. Bouge là-bas, tu parles comme ça même à qui? Avec tes petits pieds là. Ah, ça vraiment les bonnes choses de dire pas. Hein? Attends, je vais d'abord régler le problème. Oh, Junior, toi avec ta grosse tête là, pourquoi tu insultes la coudoute de Gladys là?